Ce vendredi, Woody Allen a présenté à Rome, en Italie, son dernier film « To Rome with Love ». L'affiche a été partagée avec Alec Baldwin, Penélope Cruz et Roberto Benigni. Le réalisateur américain Woody Allen a présenté vendredi à Rome son dernier opus « To Rome with Love » où il partage l'affiche avec Alec Baldwin, Penélope Cruz et Roberto Benigni. It's such a great room. You know, you married a very bright guy. I got 150, 160 IQ. Congratulazioni. E c'è tutto pagato. Le film retrace en 4 séances la vie d'un groupe d'Américains et d'Italiens, leurs romances, leurs aventures et diverses situations difficiles qu'ils traversent. Dans un sens, c'est plus difficile, et dans un autre sens, c'est plus facile. C'est plus difficile car les histoires se passent en même temps, et c'est plus facile car les histoires sont plus courtes. On n'a pas besoin de garder les personnes en haleine pendant 1h40. Le réalisateur, qui a reçu le prix Oscar pour les films Anne Hall et Manhattan, a déclaré que tout le mérite en revient aux acteurs. J'ai un super casting et c'est eux qui me font paraître bon. C'est cela quand vous engagez Penélope Cruz, Ellen Page ou Alec Baldwin. Ils sont vraiment super. Ils étaient bons avant que je les rencontre et ils le seront quand ils me laisseront. Ils travaillent pour moi et c'est moi qui ai l'air d'un héros. C'est ça le truc. I love playing her. And the way I looked at this character is J'aime beaucoup le rôle de Anna. Je regarde son caractère sans jugement. Cette femme respecte son travail et sa profession et pense vraiment qu'elle est importante pour la société. To Rome with Love sera lancé dans les salles de cinéma américains le 22 juin. Would be ground into dust. The kids are communists, the father's a mortician, the mother run a leper colony. Un evento televisivo che noi siamo in grado di documentarvi in diretta dal primo all'ultimo gesto. Lavorare tutto il tempo sdraiati sulla schiena, non lo posso immaginare. Io sì.